Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce mardi 2 février 2021. Depuis dimanche dernier, les candidats retenus pour le scrutin du 6 mars sont connus. Chaque état-major peaufine sa stratégie pour gagner de nombreux sièges. Le district d'Abidjan, vu les forces en présence, sera âprement discuté avec un avantage pour le RHDP. Législatif 2021, RHDP, PDCI, RDA, EDS, FPI, UDPCI, qui remportera la bataille d'Abidjan, se demande Fraternité Matin à sa une. Retrouvez dans le quotidien ces 6 conscriptions où s'affronteront les leaders de l'opposition. Le PDCI RDA exige le retrait de son logo de la bannière du RHDP. Voici le courrier de dénonciation adressé hier à la Commission électorale indépendante, titre le journal Le Nouveau Réveil. Que va décider Koulibaly Kouibière, président de la Commission électorale indépendante? La question reste posée. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques. Pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Situation sociopolitique, un vaste complot contre Gbagbo échoue, nous apprend le quotidien d'Abidjan à sa une. Le journal Le Monde en mission de déstabilisation, les dessous de l'affaire de divorce entre contreparties de la présidence du Front populaire ivoirien. Plus de détails dans le quotidien d'Abidjan. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.